Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo un peu spéciale, enfin pas tant que ça en fait. J'avais envie de vous parler de la rentrée. Donc, oui, je sais, elle a sûrement commencé pour la plupart d'entre vous, mais j'avais envie de vous partager les petits trucs qui font qu'on se sent mieux parce que, oui, les cours, le travail, ça peut être très stressant. Donc, j'avais envie de vous partager les petites choses que je fais qui, ensemble, j'espère, vont vous redonner le sourire. Première chose, il faut essayer de relativiser, se concentrer sur des choses positives. Vous pouvez vous changer les idées en regardant des vidéos sur YouTube par exemple, ou alors tout simplement lire un livre. En ce moment, je lis ce livre. Bon, j'avoue que c'est pas ce que je préfère, mais j'essaie de me forcer un peu et puis ça aide à mieux dormir. I don't need nobody else. I got you. And you got me too. Deuxième chose, il ne faut pas se coucher trop tard. Bon, ok, ce conseil est vraiment basique, mais c'est souvent quand on est très fatigué qu'on est le plus stressé. Vous pouvez aussi boire une tisane, ça détend vraiment. Moi, en ce moment, j'ai mal à la gorge, donc j'ai entendu dire qu'une infusion de thym faisait du bien, et en plus, c'est super bon. Troisième chose, un peu futile, mais bon, si vous êtes des animaux, par exemple un chat ou un chien, allez le voir, faites-lui des bisous, jouez avec lui. Déjà, il va être super content et puis ça va vous faire penser à autre chose. Et puis, les animaux sont des antistress très efficaces. Il faut bien manger. Souvent, quand on est stressé, avant d'aller en cours, on a envie de rien, mais il faut se forcer. Rien que de manger un petit peu du pain avec de la confiture ou alors de la pâte à tartiner, ça donne de la force. Bon, pour moi, ce sera de la confiture. Se maquiller peut donner confiance en soi, cependant il faut y aller avec légèreté parce qu'imaginez, si un jour vous avez la flemme de vous maquiller, vous préférez dormir 5 minutes de plus, ce qui est tout à fait normal, et bah tout de suite on se sent moins à l'aise. Donc pour ma part, je me fais les sourcils parce que ça réveille directement mon regard et puis comme j'ai peu de sourcils, voilà. Ensuite, je mets un petit peu de correcteur sur les imperfections, juste pour vraiment masquer ce que je veux pas voir et pour être un peu plus réveillée toujours. Je mets du mascara. Du baume à lèvres pour être confortable. Et puis niveau vêtements, mettez-vous à l'aise, un jean ou encore un legging avec des baskets. Vous êtes simple avec un petit collier discret ou pas, comme vous voulez, sans oublier un bon pull parce qu'il fait froid. Dernière chose sur le chemin pour aller en cours, écoutez de la musique, si possible quelque chose de positif, ça va vous faire penser à autre chose. D'ailleurs, j'ai une petite sélection de musique que j'écoute le matin. C'est parti. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Et puis, donner rendez-vous aux gens de la classe avant les cours pour faire connaissance. Parler aux autres va vous permettre de penser à autre chose qu'à vous. Et je vous jure que ça fonctionne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous dis normalement à la semaine prochaine, bye!